الكمامة أو الماسك كيلبسها غير المريض باش ما يعاديش الناس اللي دايرين به. إذا كان شخص مصاب كيعطس بلا ما يغطي فمه في المحيط ديالنا، راه كينشر الفيروس، وحنا بلا ما نشعروا كنقيسوا الحوايج اللي دايرين بينا. الفيروس كيكون فوق هاد الحوايج، كرسي، طبلة إلى آخره، وهنا كينتقل لليدين. المشكل ديال هاد الفيروس هو أن المدة اللي كيبقى فيها في الحوايج كتعلق بدرجة الحرارة، وعاد حنا في العدد ديالنا كنسلم على شي حد بيدي، كنقيسو وجهنا بزاف، كنفكر كنحط يدي على وجهي، إلى عييت كنحك عيني. هنا كاينة إمكانية الإصابة بالفيروس ليا ولا اللي دايرين بيا، حيت الفيروس كيبقى في يدينا. كيفاش نحمي نفسي؟ واخا المرض ما منتشرش في بلادنا، خاصنا نغسلو يدينا باستمرار. إلى عطست أو لكحيت، نستعمل منديل ورقي ونرميه في سلة المهملات، وما نسلمش بيديا أو بوجهي، ونتجنب نقيس وجهي إلى ما كنتش غسل يدي، وكذلك نتجنب التجمعات اللي ماشي ضرورية. ودابا شنو ندير إلى حسيت بالأعراض التالية؟ السخانة، الكحة، وصعوبة في التنفس. غادي نتصل بألو المساعدة الطبية الاستعجالية سامو 141 أو ألو اليقظة الوبائية 080 147 47. غادي يوريوني شنو ندير، وفاين نمشي أولا نسول الطبيب ديالي هو يوجهني. إلا بغيتي أي معلومة على مرض كوفيد 19، يمكن لك تزور البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة www.sante.gov.ma أو لموقع صحتي www.sahati.gov.ma. Chers élèves, bonjour. Nous allons voir ensemble les lois de Newton. Cette leçon est destinée aux élèves de deuxième bac, sciences vie et terre. Donc, notre leçon va être articulée sur deux axes. Pour un solide en mouvement de translation, quelles sont les grandeurs qui décrivent son mouvement? Deuxième point, quelles sont les lois qui régissent son mouvement? Donc, en commençant, il y a vecteur vitesse et vecteur accélération. Avant d'entamer ce point, il est nécessaire de faire un rappel sur le repérage d'un point du solide. On a vu dans les années précédentes que on étudiait les mouvements des solides toujours par rapport à un référentiel donné et que le mouvement est toujours relatif, éventuellement de repos. Un référentiel se compose d'un repère d'espace choisi en choisissant une origine O et une base orthonormée I, J, K qui définissent soi-disant les axes OX, OY, OZ, et d'un repère du temps en choisissant convenablement l'instant initial T égale à 0 et bien sûr muni d'un chronomètre. Pour repérer les points, pour déterminer la position G d'un point mobile A par rapport à O, J, ou à un référentiel O, I, J, K, on doit déterminer ce qu'on appelle le vecteur position OG qui n'est d'autre que la somme de X fois I plus Y fois J plus X, Z fois K. Il faut signaler ici qu'on a un mobile A et on a les positions de ce mobile
j'ai. Et le mouvement se fait, bien sûr, en se référant à un référentiel OIJK. Donc, si le mobile A se déplace, il décrit une séquence des points, une suite des points. On repère ces points par le vecteur OG. La projection de ce vecteur sur les axes OX, OX, OY, OZ définit ce qu'on appelle ses coordonnées cartésiennes. Donc, apparemment, les coordonnées X, Y, Z, ce sont des fonctions du temps que l'on nomme X de T, Y de T, Z de T. Elles sont appelées équations horaires du mouvement. Ainsi, la courbe décrite par M en fonction du temps est appelée trajectoire du point M. On passe maintenant au vecteur vitesse instantanée. Définition. On définit le vecteur vitesse instantanée comme étant la limite quand delta t tend vers 0 de vecteur vitesse moyenne. Donc, VA de t moyenne égale M1, M2, M3 vecteur. T3, T1, ce sont des durées, des temps. Donc, c'est une durée delta T. En faisant la relation de Charles avec O, la relation de Charles, on voit bien qu'on est devant un taux de variation, vectoriel bien sûr. Donc, lorsque delta t tend vers 0, cette grandeur tend vers la vitesse instantanée. Donc, delta t tend vers dom sur dt, quand delta t tend vers 0, donc v, la vitesse instantanée du point A à l'instant t par rapport à un référentiel donné R, n'est d'autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM. Là encore, il faut signaler que la dérivée se fait toujours par rapport à un référentiel R. Donc, on passe maintenant donc le vecteur vitesse, elle est tangente à la courbe. On peut tracer la tangente en ce point. On voit bien que le vecteur vitesse VG, V du point au point G2 par la tangente. Donc, par définition, finalement, on définit le vecteur instantané à l'instant t comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position OG. On passe maintenant à l'expression du vecteur vitesse instantané dans un repère cartésien. Donc, un repère cartésien, c'est un choix d'une origine O et trois vecteurs J, I et K